TV. Murakoze nkuko musanzwe mubizi iki gikorwa cyatunganijwe muri gwa rukurikirane rw'imirimo isanzwe iranga yandwi yahariwe itangazamakuru ku isi yo ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi yose. Sense rero isanzwe ihora itunganya cyane iki gikorwa imyaka yose. Uyu mwaka cyategerezwa kuba itariki zitanu zo muri ryandwi nyene, ariko kubwo ibikorwa byinshi byahahuriye byatumye icyo gikorwa cungururizwa uno munsi. Ni ukuvuga rero ngo indwi ikurikira twari tukiri mu mwanya mwiza wo gukora icyo gikorwa. Nk'uko mwabibonye rero harabayeho icyo navuga icyiyumviro ngenderwako twatanze ngo abamenyeshamakuru bakorere ko kikaba ari kijanye no gutunganiriza akazoza abenegihugu, gutegekanyiriza akazoza abenegihugu umuntu yavuga mu gifaransa la sécurité sociale. Hanyuma icyo gikorwa rero gitunganywa mu ntumbero yo gufasha abamenyeshamakuru kwipima kugira ngo barabe icyo bashoboye mu buzima bw'akazi kabo mu mwuga wabo umwe wese ibyo akora, ari nacyo gituma duha amahirwe ibinyamakuru by'ubwoko bwose, haba ibyandika, haba ibivuga, haba ibyerekana, haba n'ibikorera ku mbuga ngurukanabumenyi. Ibyabaye rero uno munsi ni uko habonetse amashimwe ku bamenyeshamakuru babishoboye, kuko twabivuze hari hazanye abipima bashika 32, hakaba hashoboye gutsinda abashika 10, hanyuma abarose ubushimwe nkaba nize yuko bagiye bamerewe neza. Abampamagarira abandi abataje kwipima uyu mwaka twabahaye ikigwa ngenderwako cy'uyu mwaka bakije kwakiri kare, hanyuma ku mwaka uza tuzoronke abipimye benshi kandi tuzoronke n'umusaruro. Mwabonye neza yuko twashize mu majwi intumbero ijanye n'umukenyezi n'intumbero ijanye n'itangamakori. Ni ukuvuga ngo tugiye kuzoraba ingene umukenyezi ashobora guteza imbere iki gihugu nk'umuntu ashira imbere ibikorwa by'iterambere. Excellence Monsieur Ntibantunganya Sylvestre, ex-chef d'État du Burundi, Madame la ministre de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias, ici représentée par Monsieur Thierry Kitamoya, son assistant, Madame le représentant du chef du cabinet civil du président de la République, Monsieur le représentant de la primature burundaise, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire accrédité à Bujumbura, Excellence Madame l'ambassadeur de Chine, ici représenté par son ministre conseiller Monsieur Fang, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Monsieur le directeur général de l'INSS, Général-major Miburu Emmanuel, chers aînés du métier, je cite Excellence Monsieur Ntibantunganya Sylvestre, ex-chef d'État, Madame Christine Ntahe, Monsieur Anselme Katiyunguruza, dignement empêché, Monsieur Tassien Dajoujouta, Monsieur Germain Kenshimana, Monsieur Didas Sonzu, dignement empêché, Monsieur Pierre Bambas, ambassadeur Pierre Claver d'Aïcharié, dignement empêché, Monsieur Gérard Franzima, dignement empêché, Monsieur Simon Kururu, dignement empêché,
Mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif et du bureau central du CNC, messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, mesdames et messieurs les membres de la commission Prix Média 2023, mesdames et messieurs les concurrents, mesdames et messieurs les journalistes, bonsoir. Bonsoir. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, nous aimerions tout d'abord remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a réveillés, gardés toute la journée et conduits jusque dans cette belle salle. Que son nom soit éternellement loué. Le Conseil national de la communication, CNC en sigle, organise chaque année un concours média intitulé Prix Média. Ce prix média est décerné au meilleur reportage, émission et production dans le but de reconnaître et promouvoir le rôle essentiel et incontournable des médias dans la société. Le concours de prix média est annuel et est ouvert à tous les journalistes, hommes et femmes opérant au Burundi, reconnus par le CNC, travaillant dans les médias de l'audiovisuel, de la presse écrite et de la presse en ligne. Pour pouvoir participer, le journaliste doit être détenteur d'une carte de presse lui délivrée par le CNC. Les objectifs poursuivis par le prix média sont notamment reconnaître et promouvoir le rôle des médias dans la société, promouvoir l'esprit d'innovation et de compétitivité, accroître la diversité des productions, des reportages, motiver et ou encourager les médias via leurs journalistes à travailler dans l'excellence, reconnaître les meilleurs dans les différents domaines. La réussite de cet événement requiert qu'il soit minutieusement bien préparé d'avance. Le bureau exécutif du CNC consacre certaines de ses séances à réfléchir profondément sur l'image qu'il aimerait donner à l'événement afin de faciliter la tâche à la commission mise en place à cet effet. Le thème retenu cette année est le suivant. L'affiliation des employeurs aux institutions de sécurité sociale au Burundi. La mise en place d'une commission ad hoc avait pour mission de sélectionner les meilleures œuvres, catégorie par catégorie, en fonction des critères prédéterminés. Cette commission tient alors des réunions autant de fois que de besoin, avec des points à l'ordre du jour, bien précis, suivant l'état d'avancement des activités. Les personnes qui font partie de cette commission sont choisies dans les médias ou en dehors, travaillent en toute indépendance pour mener à bon port la mission qui leur est confiée. Les concurrents se mettent alors au travail, produisant leurs œuvres afin de les déposer dans les délais qui leur sont impartis. Les œuvres déposées sont classées catégorie par catégorie et ensuite évaluées par les différentes sous-commissions formées suivant les caractéristiques d'une bonne production médiatique qui sont le secret de Polichinelle pour les professionnels des médias. Les prix sont alors acquis et la commission passe à l'organisation des cérémonies proprement dites, de proclamation des résultats et de remise du prix média. Certaines œuvres déposées au cours de cette édition 2023 renferment des irrégularités qu'il importe de souligner afin de les éviter dans les éditions futures.
Il s'agit entre autres du dépôt de deux œuvres par un même journaliste, alors que les termes de référence précisaient que le journaliste mettra en œuvre une et une seule œuvre jugée meilleure. De l'absence de certains éléments dans le dossier, notamment une attestation de diffusion ou de publication si responsable du médium d'origine ou une carte de presse. Donc, sur les 32 œuvres déposées, 6 étaient incomplètes. 26 ont été évaluées et les résultats vont nous être présentés dans les minutes qui vont venir. Le Conseil national de la communication n'a aucun doute que les membres des sous-commissions ont évalué les œuvres le plus objectivement possible. Nous voudrions pour le moment saisir cette occasion pour présenter nos remerciements à toutes les personnes qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la réussite de ces cérémonies. Les remerciements venant du fin fond de notre cœur vont de prime abord à l'endroit de Monsieur le chef du cabinet civil et à la primature burundaise qui nous ont soutenus en nous envoyant les représentants dignes de ce nom afin de partager les cérémonies. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Nos remerciements sont ensuite adressés au ministre de la Communication, des Technologies, de l'Information et des Médias, qui ne cesse d'être de nos côtés dans les différentes activités que nous organisons. Sa présence aujourd'hui dans ces cérémonies dénote qu'elle attache une très grande importance au programme du Conseil national de la communication. Ces encouragements ont été toujours d'une utilité indéniable et nous le supplions de continuer sur la même lancée. Le travail des sponsors est grandiose, très grandiose même, car si leur contribution n'avait pas été donnée, certainement qu'on ne serait pas dans cette place et dans ces conditions. Nous saluons déjà l'ambassade de Chine qui a pris le devant en promettant un voyage d'études en Chine pour 4 journalistes qui vont remplir les conditions exigées par les organisateurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que le CNC a toujours adressé ses remerciements les plus sincères à tous les intervenants. Mention particulière à M. le directeur général de l'INSS, le général-major Miburo Emmanuel, qui a répondu de façon rapide et particulière à notre appel. Son appréciation par rapport au travail abattu et par rapport au thème, nous sera d'une grande utilité. Nous saluons à sa juste valeur les relations d'amitié que le CNC entretient avec les partenaires amis du Burundi dans toutes leurs facettes. Étant tous engagés à soutenir notre plan stratégique triennal 2023-2025, nous sommes conscients que les journalistes et les professionnels des médias vont y trouver compte tout le long de sa mise en œuvre. Qu'ils trouvent ici, alors, toute notre gratitude. Il s'agit également de complimenter les membres de la commission Primédia, édition 2023, pour le travail abattu depuis leur nomination jusqu'à ce jour-ci. C'est un honneur pour eux d'avoir mené à bon port le travail qui leur a été confié. À cela, nous disons félicitations. Le temps qu'ils ont pris pour participer aux différentes rencontres n'a pas été une peine perdue.
qu'ils trouvent ici l'aboutissement de leur énergie est déployé, que les responsables qui les ont autorisés à répondre régulièrement aux séances de travail soient satisfaits des résultats enregistrés. À tous les concourants de cette année 2023, qu'ils obtiennent un prix ou non, soient fiers d'avoir participé, car ce qui importe, ce n'est pas le succès, mais l'effort. En effet, c'est l'effort qui nous conduit au succès et non l'inverse. Le succès ne peut jamais être obtenu sans moindre effort. Le succès est une issue heureuse de l'effort fourni. À vous tous qui avez répondu à notre invitation, que le Tout-Puissant vous garde dans sa bonté. Mesdames et messieurs, nous ne saurions clore notre propos sans jeter la base de nos perspectives de cet événement. À ce titre, faisons un regard sur le thème national de l'année en matière du genre. Il est le suivant. Un leadership engagé pour une digitalisation innovante en faveur de l'égalité du genre. En effet, l'autonomisation économique de la femme doit avoir des retombées positives sur l'économie du pays. Nous ne sommes pas sans savoir que les statistiques ont démontré à maintes reprises que le nombre des femmes burundaises est supérieur à celui des hommes burundais. Il est grand temps, alors, s'il n'est pas tard, de montrer le rôle et la place des femmes burundaises dans le développement du pays, sachant que la femme reste et restera le pilier du développement au Burundi. Mais alors, la digitalisation des services publics figure parmi les priorités du gouvernement. C'est un programme qui rentre dans la modernisation des services publics pour pallier à plusieurs défis de lenteur, de productivité et de manipulation tous azimuts. C'est sur cette double mission que nous appelons les journalistes à y voir clair le long de l'année qui commence aujourd'hui même. En effet, nul n'ignore le rôle prépondérant de l'OBR dans la collecte des impôts et taxes auxquels l'État fait recours dans l'accomplissement de toutes ses missions. Nous sommes tous appelés à y contribuer. Les médias au premier rang, de par leur rôle si important dans l'éducation, la sensibilisation et la formation de toutes les couches de la population. Le CNC ne ménagera aucun effort pour améliorer l'image de cet événement dans l'avenir. Dans les éditions antérieures, les compétiteurs travaillaient sur des thèmes de l'année écoulée. Ils faisaient des recherches dans les archives. Pour cette année, les concurrents ont présenté des œuvres qu'ils ont produites dans les délais leur impartis. Le CNC s'est rendu compte qu'ils se sont adaptés au nouveau système de travail. Aux aînés du métier, ici présents. Le choix a porté sur vous, compte tenu du rôle que vous avez joué dans l'OTAN. La saveur du métier d'alors reste et restera toujours gravée dans les cœurs des consommateurs de l'information au Burundi. Nous lançons alors un appel vibrant pour que vous restiez à nos côtés, surtout aux côtés de la jeune génération qui se lance dans le métier sans toutefois maîtriser son éthique. Nous sollicitons votre coach permanent. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous demandons à l'audience de bien vouloir suivre attentivement l'appréciation qui sera faite par l'un des aînés du métier en la personne de son Excellence Président Liban Ongagne. Pour permettre aux compétiteurs d'améliorer davantage leur performance, nous annonçons déjà le domaine de travail pour l'année qui vient.
Nous aurons l'occasion d'y revenir. D'ores et déjà, les futurs concurrents sont interpellés à commencer à débrayer le terrain pour que le jour J, ils ne disent pas qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour produire un travail présentable. C'est sur ce clin d'œil que nous bouclons notre propos, tout en espérant que les concernés ont compris la matière sur laquelle portera le futur concours du Prix Média édition 2024. Vive la liberté de la presse, vive le Prix Média, que Dieu vous bénisse, je vous remercie.